Greg, vraiment un grand merci pour la nuit que nous avons. Et franchement, merci. Ça, c'est le vrai. C'est le vrai. Tu ne déranges jamais, tu ne déranges jamais. Je vous présente, je ne me rappelle plus. Henri Bédimo, Henri Bédimo. Attends. Vous vous rappelez de ça, non? Bédimo. Ça fait 10 ans. On fait notre gardien de but pour l'histoire. On fait ça, Philippe, frais. Tu vas bien? Eh oui, ça va. Quelle journée, exceptionnel. Ah oui, je on ne vieillit pas quand on se rappelle. Voilà, je remercie officiellement la famille Nicolin d'avoir organisé ce... cet événement exceptionnel, c'est riche en émotions. Et j'ai pas de mots pour décrire cette journée qui est fantastique. Eh oui, c'est ça le problème, c'est que là, tu vois, on disait moi que... je suis bien, j'étais au calme, tranquille, j'ai mangé. Et du coup, je crois que j'ai du cheddar maintenant. Alors, on disait de Vito qu'il ne cessait de manger, mais voilà un autre exemple d'un brillant joueur. Un champion de France qui continue à bouffer, quoi. Écoute, en fait, moi, là, j'ai demandé un maillot en taille M. Ah. Et je pense que je vais peut-être aller chercher du L avant la fin de la soirée parce que c'est très, très bon ce qu'on mange. Hein. C'est trop, même. Je me régale. Hein. Ça fait 10 ans maintenant. Oui, c'est un peu. Hein. Ouais, ça faut dépasser la vase B. Ouais, voilà. Faut dépoussiérer un peu. Hein. Eh oui. Il n'a pas pris une ride, il n'a pas pris un kilo. Mapou, le grand ouais. Mapou. Quelle belle journée. Non, franchement, c'est une très belle journée. Le groupe et l'équipe qui a eu cette idée d'organiser ça, franchement c'est magnifique, on le remercie tout. Et voilà, on passe de bons moments, de grands moments, on va dire, entre des amis, entre des frères. Et on va continuer ça, prolonger ça avec les supporters et les fans. Il y a 10 ans et 2 jours, c'était le 12 mai. Ouais, exactement. Et c'était ce moment magnifique. Ouais, super souvenir. Ça passe, ouais, 10 ans déjà. Ça fait plaisir de revoir tout le monde. Et en espérant que ce soit un bon match pour Montpellier ce soir. Karim, tu n'as pas bougé, comme mal de tes partenaires d'un temps. Si, on a bougé un peu. On a vieilli 10 ans de plus. Pas de nostalgie, la joie de se retrouver pour une belle journée. Si, très content de revoir tout le monde. Mapou... avec qui j'ai fait la formation, la même génération que moi, donc je suis très heureux de le revoir et de revoir tout le monde. Donc ça fait plaisir, ouais. Karim, bien sûr. Miaou, miaou, miaou. On l'a trouvé. Oh purée. On l'a trouvé. Attends, tu vas me faire parler. On a cherché, on t'a cherché toute la journée. Il y a Bédimo là-bas, c'est bon. Mais c'est fait déjà, Bédimo. Regardez-moi ça. Regardez, mon ami Rémi. Belle journée, Rémi, magnifique. Non, ce qui est beau, c'est ça, là. Ah oui, oh là là. Ça, là. Ça là, c'est un bijou ça. C'est collector ça. Ah, celui-là, voilà. Je vais pas le lâcher celui-là. Rémi, cette belle journée réveille bien des souvenirs. Hein. Ouais. Je te cache pas qu'à la base, bon, j'aurais aimé être sur le terrain. Mais de vivre là ces moments avec tout le monde, ça fait bizarre et c'est une belle émotion. Et c'est vraiment beau de faire ça. Vraiment. Merci au club d'avoir organisé tout ça, de voir tout le monde, c'est incroyable. Toujours en train de manger. Eh oui, toujours en train de manger. Notre capital. C'est pour garder la forme. Hein. Pour garder la forme. Bah oui. Ah, c'est ça la recette de ton exceptionnelle longévité. Manger. Après, il faut manger, après il faut éliminer par contre. Non,
Quelle belle journée, Vito. Ah oui, oui, c'est une belle journée. Hein. C'est quelque chose de particulier, d'exceptionnel, de revoir tous ces coéquipiers là, parce que on a passé une année magique. Les gens ne se rendent pas compte parce que être champion d'un championnat, c'est très très dur. Et nous, on avait fait quelque chose d'exceptionnel. J'espère que les gens vont se rappeler. Là, en fait, les 10 ans du titre, mais ça va rester gravé à toujours. Hein. Merci et bon appétit. Merci. Bon, t'es pas nostalgique, toi. Et cette journée, tu la vis comme un anniversaire, point, quoi. Écoute, je reconnais quasiment pas la plupart des gens qui sont ici. Alors, je sais pas ce que je suis venu faire là. Est-ce que c'est un casting? Est-ce que... Je sais pas. Peut-être aussi parce que tu es le seul à ne pas avoir bougé depuis. Ouais, c'est surtout qu'en fait, non, mais après, moi, personnellement, je sais ce que j'ai apporté à cette équipe. Je n'ai pas besoin de le revendiquer. Les gens viennent me voir naturellement pour me féliciter. Vraiment, on ne perd pas une minute pour aller voir les copains. Qu'est-ce que tu deviens, tout ça. Hop, attention le frigo. Attention, tu prends des kilos. C'est vraiment une journée exceptionnelle. Merci, Geoffrey. Merci. Donc, alors que les autres cherchent un peu cette ovation, voilà, donc moi, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, mes filles ont très honte de moi, il faut le savoir, elles ont très très honte de moi. Écoute, pour être franc avec toi, c'est une journée chargée d'émotions quand même. Parce que ça fait 10 ans, il y a quand même beaucoup de joueurs que je n'avais pas revus depuis, depuis 2012 quasiment. T'as forcément vieilli. On a tous vieilli, oui. On a vu tous les enfants grandir aussi, parce que du coup 10 ans avec les enfants, c'est là où... et c'est que du bonheur, franchement, ce que le club a fait pour les 10 ans, c'est grandiose. Je passe un super moment. T'es peut-être pas le... plus grand buteur de l'histoire du RHC, c'est sûr. Assurément dans le top 3 des plus beaux buteurs. C'est vrai que je ne marquais pas beaucoup, mais je mettais des buts assez sympathiques. Hein, je sais que tu t'es cassé la voix sur beaucoup de mes buts, tu m'en as voulu, oui. Mais aujourd'hui tu ne m'en veux plus. Non. Et c'est le plus important pour moi. Il n'y a pas de Exactement. Merci beaucoup. Merci à merci. Toi. Merci. C'est une belle journée, Henri. Non, une très belle journée. Franchement, merci encore au club, parce que le football a souvent la mémoire courte, mais c'est bien. Déjà, moi, personnellement, je suis content de retrouver les anciens. Certains, je les côtoie encore au sein du club. Et certains, on s'est perdu un peu de vue, mais voilà, toujours près du cœur. Donc, franchement, c'est émouvant. Ah, si c'était à refaire. Je le referais 100 fois, 1000 fois. Donc, voilà, mais non, mais ça se voit. On vit bien ensemble, même 10 ans après. C'était même pas une bande d'équipe, mais c'était... une bande de frères, voilà, on se considérait comme ça et puis on le retransmettait sur le terrain. Henri, qui comme vous le constatez avec Vito, sont les deux seuls champions de France à ne pas avoir bougé, pas pris un gramme, pas une ride. Merci Henri. Merci à toi. là, cette phrase-là était de trop. Bouger, lui, papy, oui, mais moi je pense que non. Mais ça, c'est le secret parce que personne ne le sait. Pendant toute la saison 2012, on était tous les deux dans la chambre. Voilà, le secret il est là. Les deux arrivés, on a passé une bonne année ensemble. Exact. Très belle saison. Henri, Vito. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait à vous voir tous réunis, que revivre des moments comme ça. C'est des moments avec beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons. Nous aussi, on aimerait, mais voilà, le temps il passe. On est là pour se remémorer tous ces souvenirs. Voilà, il faudra profiter à fond jusqu'au bout et s'il faut refaire ça l'année prochaine ou dans 10 ans, on sera toujours présent parce que voilà, ce qu'on a fait aussi, c'est magnifique, c'est beau et on sera là pour le club parce que le club a tout fait pour nous, le club nous a tout donné et donc nous aussi, on est redevables de tout ça. Quoi. Voilà Mapou, la famille. Jonathan Legali, Grégory
Geoffrey Dermis. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour monsieur Joris Marveau. Suivi de Rémi Carvela. Il a pris le déplacement exprès de l'Amérique du Sud, mesdames et messieurs, applaudissements pour monsieur Marco Estrada. Un enfant du club, Jamel Sey. On l'a souvent surnommé Super Sub. Mesdames et messieurs, l'ovation pour monsieur Suleiman Suivi et franchissable et toujours souriant, Geoffrey Jowen. Il a mis les deux buts contre Auxerre à Brivo il y a 10 ans, c'est lui le titre en partie, monsieur John Outaka. Après John, on le surnomme Benny, Benny, Benny Mo et Henri Benny Mo. Et il aura tout à l'heure un hommage tout particulier pour El Capitão, monsieur Vitorino Ito. Et enfin, mesdames et messieurs, quel plaisir, quel honneur pour vous, pour moi, de revoir ici au stade de la Mosson notre capitaine emblématique champion de France. Mesdames et messieurs, une ovation pour monsieur Mapou Yangal Liwa. Voilà, mesdames et messieurs, ils sont là. Merci à tous, c'est un bonheur de vous retrouver, merci. Merci à toi Joris, applaudissements mesdames et messieurs, Joris Marbeau est là, c'est lui.